sur la baisse des APL. Est-ce que les étudiants et les classes les plus populaires peuvent se le permettre, vous croyez? Oui. Oui, il me semble. 5 euros, c'est beaucoup, mais c'est où ça où on augmente les impôts? Vous savez qu'un étudiant qui touche l'APL touche aussi une bourse, normalement. Et c'est très bien, c'est très très bien. Simplement, voilà, il y a un moment, il faut savoir dire, on ne peut pas toujours dire, il y a des dettes, il faut que ça change. M. Macron a été élu pour changer, et qu'à chaque fois que nous voulons toucher à une corporation, cette corporation dit non, c'est pour l'autre et c'est pas pour moi. Donc, eh ben non, 5 euros, c'est pour 5 euros pour tout le monde. Mais qu'il fasse bien le calcul, faites bien le calcul quand vous êtes étudiant, quand même. C'est quand même aussi avec nos impôts, hein. Faut quand même pas l'oublier. Donc, il y a les transports moins chers, il y a la carte d'étudiant, il y a l'APL, il y a les bourses. Ça ne suffit pas, vous avez beaucoup d'étudiants qui sont obligés de travailler encore, c'est vrai. Mais bon sang, regardez un petit peu ailleurs. Ouh, ça va, messieurs, dames. N'allez arrêter. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 euros, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est long, ça va être difficile, mais si vous ne voulez pas payer plus tard toutes les dettes que vous n'aurez pas payées quand vous serez un petit peu plus jeune, ça va vous coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, voilà. Dans l'opposition, certains préviennent, parfois il y a des gens qui vivent à 5 euros près, quoi. Mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais oui. Mais tant qu'on pourra continuer à leur donner les aides, c'est très bien. Mais si nous demandions maintenant à tout le monde d'augmenter les impôts, parce que cet argent, il ne se fait pas comme ça. C'est quand même des aides qui sont données. Il y a, si nous avons vraiment une personne qui est dans une misère pas possible, et ça arrive, et il y a, nous sommes là pour les aider, il n'y a pas de souci. Mais là, nous sommes en train de parler d'une collectivité, la collectivité à l'heure actuelle. Il faut absolument faire baisser la dette. Notre président l'a dit, il a été élu dessus. C'est 5 euros, c'est 5 euros. Oui, oui, eh bien c'est 5 euros. Bon, moi, pour continuer à toucher les 55 euros de ceux qui ne touchent que 60 euros, eh bien il faut que tout le monde participe.